Programmation d'un bras robotisé donc qui est actionné par des servomoteurs. Un servomoteur dans le socle noir pour la rotation principale, un autre servomoteur ici pour l'épaule, un servomoteur ici pour le coude et un dernier gros servomoteur ici pour le poignet. Donc pour actionner ces servomoteurs en langage bloc. On a ici trois blocs épaule, coude et poignet. Donc chaque bloc renvoie vers un sous-programme. Dans chaque sous-programme, on a une touche du clavier qui va permettre de gérer la vitesse du servomoteur, une touche du clavier qui va permettre de gérer le sens et une touche de clavier qui va permettre de gérer l'arrêt du servomoteur. Donc si je lance ici par exemple le coude, j'ai la touche 4, 5 et 6. Donc je vais appuyer sur 4 pour faire tourner dans un sens, 6 pour arrêter, 5 pour repartir dans l'autre sens. Je vais lancer le sous-programme poignet. Donc 7 pour aller dans un sens, 9 pour arrêter, 8 pour aller dans l'autre sens. Donc on peut passer de 7 à 8 directement pour changer la rotation.